Allô tout le monde, on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo. Je vous avais dit que je faisais pas deux vidéos mais une seule. Et en fait j'ai décidé de faire deux parce que j'avais vraiment envie. Parce que là on m'a beaucoup demandé comment je fais mes vignettes sur YouTube. Et là je vais vous expliquer comment je les fais. Donc je vais faire devant. J'espère que ça va vous faire voilà quoi. J'espère que ça va vous plaire. Donc je vous laisse regarder la suite. Voilà, donc d'abord sur le site où je vais, c'est Pixelaire. Donc voilà, d'abord je vais sur Pixelaire. Donc voilà, puis on va sur Pixelaire Editor. Puisque, ah non, c'est pas celui-là. Déjà, c'est pas celui-là, donc je vais le chercher. C'est pas celui-là, parce que dès qu'il y a ça, c'est sûr que c'est pas celui-là. Donc, et cette vidéo ce sera un tuto comment faire les vignettes YouTube comme moi je l'ai fait. Donc ça ce sera cette vignette là pour cette vidéo. Donc tout d'abord moi je vais connecter ça ici, je vais mettre vers 1000, de largeur 1000. Ici je vais mettre sur le 680, donc en hauteur 680. Donc ce sera dans la barre d'infos, de toute façon on devient de pixels tout. Donc voilà, et là vous faites transparent parce que sinon voilà, je vais un peu moins zoomer. Voilà, là je vais mettre comme ça. Et là, je vais choisir une couleur. Enfin, une couleur. Quelle couleur je vais prendre? Quelle couleur je vais prendre? Quelle couleur? Je vais prendre les... cette couleur. Voilà. Et avec cette couleur, je vais prendre ici. Et je vais faire comme ça. Donc, et juste après, je vais aller dans Calque. Vous allez tout de suite, si vous allez mettre une image, vous allez dans calque. Et là, faites ouvrir l'image en tant que calque. Et après, on vous affiche normalement, voilà, ici et tout. Et ici, il y a les images. Par exemple, ici, c'est pour mes montages. Ici, c'est surtout pour les montages que j'ai besoin, quoi. Et là, je vais mettre. Déjà qu'il faut que je cherche. Je vais mettre quoi. Ah ouais, le truc là. Ouais, celui-là, je vais mettre ça par bien. On va faire en sorte. Et là, par exemple, je vais mettre transformer libre. Et là, enfin, vous allez sur éditer. Ouais, faire ça. Éditer, transforme libre. Transforme, je sais pas quoi là. Voilà. Et là, vous devez trouver. Et là, vous allez faire un peu un truc comme ça. Enfin, comme vous voulez. C'est pas une obligation. Donc, moi, je vais un peu vous faire. Voilà. Et ouais, c'est parfait là. Et là, ici, je vais faire comme ça. Ah, ouais, il y a des moustiques qui me font mal. Ah, donc c'est pas grave si ici, ça, c'est. Voilà, ouais, des fois c'est normal. De toute façon, ça se remarquera pas vraiment, quoi. Donc voilà. Et après, ici, il y a des traits. Et là, il faudra vraiment les enlever, les traits. Donc je vais un peu moins zoomer. Et voilà. Oh là là, plein de moustiques qui sont en train de me piquer. Après j'ai des moutons de partout, donc c'est écœurant. Donc ici je fais comme ça. Ici je fais comme ça. Là c'est pas précis, mais enfin, la meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Attendez, je vais mettre en place pour que voilà. Comme... voilà. Et quand j'ai fini de faire ça. Enfin, je vais enregistrer, non je vais pas enregistrer tout de suite, je vais faire quelque chose. Par exemple, moi je ferai comme ça. Parce que moi je fais presque tout le temps ça, donc je vais agrandir, je sais pas comment. Je vais voir. Donc bah, on peut mettre un peu moins quoi. On va laisser un peu ça et on va mettre un peu comme ça, je crois. Je suis pas sûre. Donc ouais, pas du tout. Regarde. La taille. Vous n'êtes pas obligé de mettre des photos un peu comme ça, il faut mettre une seule personne et après faire un simple de trucs, je sais plus c'est quoi là. Mais bon, mais je vais pas faire que avec. Ah mince, c'est pas de là, c'est pas de cette couleur. Ah, parce qu'il faut que je mette la couleur blanche là. Je vais mettre une couleur blanche. Et là, je vais faire comme ça. Et voilà. Donc là, c'est bon. Et là, juste après, là, je vais enregistrer. Donc, enregistrer. Je vais faire ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre 100%, mais moi, j'ai l'habitude. Donc, on va faire un. On va faire premier, quoi.
Parce que moi j'écris n'importe quoi parfois. Et attendez, je regarde si c'est bien enregistré, donc je vais ici. Non, pas mes documents, s'il vous plaît. Attendez, pourquoi ce bug là? Donc, dès que ça a été enregistré, vous allez encore sur Google. Donc, voilà, vous allez sur Google, voilà, vous laissez ça comme ça. Et vous allez chercher, par exemple, soit vous cherchez. Enfin, moi je vais plutôt. Là, je vais aller. Moi je vais tout le temps ici, je vais site de montage plutôt. Et moi je vais soit sur Pisa, qui est là. Attendez, qui est là. Donc ça je vais sur Photoshop, donc moi je préfère, là je vais aller sur Pisa parce que les écritures sur Pisa ils sont magnifiques. Mon logo il est sur le logo, donc vous voyez, on va sur ma chaîne, il est sur pas sur Pisa, il est sur Photoshop, donc voilà. Oups, oh mince, oh là là. Oups, je suis désolée. C'est quoi son message? Bon, allez, ok, voilà, plus bug, voilà, donc vous allez créer, vous allez faire start, ouais, start, voilà, on s'en fiche un peu comme on dit, mais voilà, donc vous allez faire éditer, enfin, edit quoi, ça, vous, si vous voulez faire des collages, par exemple, des gadgets, moi, je fais ça, des fois, vous allez aller sur une photo aussi, on peut faire, mais je préfère faire là, sur Pisa, parce que les écritures, elles sont magnifiques. Quand tout est déjà chargé, voilà, vous devez cliquer sur... Ici. Donc sur Google vous pouvez écrire juste Pisa, voilà, P-I-Z-A-P, donc c'est très facile. Donc moi je vais cliquer sur mon fichier ici, enfin sur mon image, là je vais faire ça, et après ici vous avez les effets si vous voulez, ça va être des effets. Ici c'est pour les pros, donc c'est payant ici, enfin c'est écrit pro, c'est vraiment payant. Ici vous avez les voilà les stickers, on va dire, voilà les stickers. Et là je vais prendre écriture. Et là je vais mettre une couleur. Quelle couleur? Je vais mettre une couleur, je sais pas, moi je vais mettre ça comme d'habitude parce que j'adore. Donc c'est un peu comme ça, et après on va écrire 80 je pense. Et ici vous avez, ici c'est pour les pros du coup, ici ça paye. Et voilà, donc il y a pour mes looks de la semaine et tout, moi j'utilise cette écriture là que j'adore. Là je vais utiliser l'écriture que j'ai, une autre écriture que j'adore, je sais plus où elle est. Ah là elle est là, elle est magnifique celle-là. C'est une écriture là. Donc on va écrire tuto. On va écrire ça. Tuto. Oui, tuto. On va mettre tuto, des petits points je pense là. Tuto, on va mettre ça. Tuto. Non, pourquoi ça m'a juste ça? Comment? Tuto 1, on va faire. Mais je vais écrire. Voilà, donc moi j'ai mis l'écriture au moins. Changer l'écriture, je vais mettre pas 60, je vais mettre 50, je pense. J'ai peur, voilà. Après, je vais pencher, surtout ici. Je vais pencher un tout petit peu l'écriture et je vais la mettre comme ça. Et voilà, donc quand vous, voilà, vous cliquez là et voilà. Du coup après vous faites comme ça, et après si vous voulez rajouter par exemple couper des trucs comme ça, voilà ici vous mettez vos bordés et tout, enfin les bords quoi, ici voilà les mémés, je sais plus c'est quoi, ici j'arrive plus à faire le truc là, je sais plus comment on fait, donc je sais même pas comment on fait, je sais plus du tout. Là on va essayer d'écrire. Ah ouais, je vois. Ah parce que ça fait longtemps que j'essayais, donc on va écrire look. Attends, je vais essayer. Ah ouais, si j'avais pas vu ça devant, bah, ça ferait pas ça. Ok, j'ai compris. Ici après vous pouvez mettre pas et tout, enfin voilà. Après je vais mettre, quand vous avez terminé, vous allez mettre, par exemple moi, attendez moi je vais mettre plutôt,
chercher. Je vais aller plutôt ici. Si vous avez le feu d'artifice et tout. Et moi, je vais mettre. Il est le truc à enlever. Donc, vous mettez où vous voulez. Voilà. Par exemple, moi, je vais mettre. On va dire. Et voilà. Donc. Donc là par exemple je vais mettre ça et là je vais faire ça. Voilà, donc vous allez faire comme ça. Donc ça dure un peu beaucoup de minutes quand on explique, mais sinon c'est assez facile. Si vous êtes vraiment. Voilà, moi j'ai fait comme ça. Donc si vous voulez mettre ça sur Facebook, enfin les trucs là, moi je mets juste sur mon ordi. Donc vous faites ça après. Après je vais ici, voilà, je vais faire enregistrer. C'est là. À un moment ça va être enregistré, vous attendez un peu et ça va se déclencher tout seul quoi. Donc on attend. Donc voilà, là ça vous met ça. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Ce tuto était. J'avais envie en fait parce que il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. J'espère qu'il vous aura plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker et bien sûr abonne-toi pour plus de vidéos. Allez bye.